Je suis ici ce matin à Kolda, dans la capitale du Fulado. Vous me permettrez de commencer par saluer toutes les populations de la région de Kolda pour leur dire le plaisir que j'ai d'être ce matin au niveau de l'hôpital régional pour apprécier la situation. C'est vrai que l'installation du scanner est le prétexte, mais la visite m'a permis de faire un tour d'horizon de ce qui se passe au niveau de l'hôpital de Kolda. Le scanner a été bien reçu, la salle d'accueil du scanner est déjà prête, le scanner va être monté, mais élément extrêmement important, le radiologue qui doit prendre en charge effectivement le travail au niveau du scanner est déjà affecté. Et c'est important aussi de le noter, il y a l'ophtalmologue qui est affecté et il y a le réanimateur qui est affecté. L'ensemble de ces spécialistes-là seront effectivement donc à Kolda. Et ça, c'est très très important de noter, mais il y a d'autres spécialités qui viendront au fur et à mesure. Autre élément essentiel, j'ai eu l'occasion de faire un tour au niveau de l'hôpital et de voir que les lignes ont beaucoup bougé au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Et je félicite M. le directeur. On a donc installé deux centrales d'oxygène dans le cadre, bien sûr, de l'investissement important de l'État du Sénégal. Et je peux vous dire ici que l'hôpital de Kolda est autonome en oxygène. Tout l'oxygène utilisé par l'hôpital est produit par les centrales que nous avons. Ça, c'est très important parce que l'oxygène est un poste important dans les coûts d'un hôpital. Autre élément essentiel, nous avons vu quand même que l'hôpital est doté maintenant de beaucoup de respirateurs, hein, dans le cadre de la réanimation. Alors qu'à ce niveau-là, il y avait quand même des difficultés. Somme toute, dans l'ensemble des aspects, on a vu une évolution majeure. Et ça, c'est très, très rassurant. C'est le lieu aussi de féliciter et de remercier donc, les autorités territoriales, l'engagement du maire. Parce que nous avons vu que la salle d'imagerie qui positionnera cet hôpital parmi les hôpitaux qui ont un dispositif d'imagerie le plus moderne, si cette salle-là est prête, ce sera le cas. Nous félicitons et nous remercions M. le maire Diao, Mamboy Diao, pour nous avoir donc fait cet investissement dans l'hôpital, plus le pavage qui est prévu à l'intérieur de l'hôpital très très bientôt. Donc l'hôpital est effectivement en train d'évoluer, mais il reste encore des choses à faire. C'est pourquoi nous avons eu une petite séance de travail avec l'intersyndicale tout de suite pour faire le point de leurs préoccupations. Et somme toute, hein, nous sommes entendus sur l'ensemble des aspects parce que tous les aspects posés par les partenaires sociaux sont des aspects dans le sens de faire évoluer effectivement l'hôpital dans le bon sens. Et ça aussi, cela dénote de leur responsabilité. J'aimerais les remercier et les féliciter de ce point de vue.